Le Kenya a annoncé qu'il était prêt à assumer la direction d'une force multinationale en Haïti. Un communiqué de la diplomatie kenyane indique entre autres que Nairobi s'engage à déployer un contingent de 1000 policiers afin d'aider la police haïtienne à rétablir l'ordre dans ce pays déchiré par la violence. Une nouvelle bien accueillie par les autorités haïtiennes qui ont salué, je cite, « la volonté de ce pays frère d'apporter un appui effectif aux forces de l'ordre haïtiennes », peut-on lire dans une note publiée dimanche par le ministère des Affaires étrangères. La situation à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est telle que les gangs contrôlent environ 80% de la ville où les crimes comme les viols et les enlèvements contre rançon sont quotidiens. En avril dernier, l'insécurité a poussé les habitants de Port-au-Prince à lyncher des membres d'un gang de Cité Soleil, l'un des plus grands bidonvilles d'Haïti.